La Grèce est aujourd'hui menacée par une véritable crise humanitaire. 1 400 000 Grecs non assurés n'ont plus accès aux soins, mais ils se battent entre colère et désespoir. Arrivé à mon âge, jamais je n'aurais cru devoir faire le chauffeur de taxi. Ce n'est pas une honte, certains en vivent. Mais c'est une chose d'en faire un métier et une autre de devenir subitement chauffeur de taxi pour ne pas mourir. Panayotis a 52 ans. Dès le début de la crise économique, il y a 3 ans, sa petite entreprise de fenêtres en aluminium a fait faillite, laissant 70 salariés sur le carreau. Tout s'est enchaîné très vite. Les dettes, le stress et l'angoisse l'ont rongé. Quelques mois plus tard, le couperet est tombé. On m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. Les 10 premiers jours, c'était horrible. Je pensais que ma vie avait une date de péremption immédiate et que je ne pourrais pas accomplir mes rêves. Aider mes enfants, ma famille et tout ce que j'avais en tête jusqu'à présent. En travaillant 16 heures par jour, Panayotis ne gagne que 20 euros en moyenne. Il n'est pas assuré, mais avec son nouveau travail, il espère obtenir la sécurité sociale. C'est sa vie qui est en jeu. Mon médicament coûte 1500 euros la bouteille et j'en ai besoin de 3 par mois. Donc on parle de 4500 euros par mois. Je ne peux pas payer. Si l'État ne m'aide pas, je ne pourrai pas prendre mon traitement. C'est le seul moyen de me soigner. Même si Panayotis avait cette somme, il pâtirait de la pénurie de médicaments anticancéreux qui minent le pays. Les laboratoires pharmaceutiques, effrayés par la crise, ne fournissent plus la Grèce. Pour s'en sortir, Panayotis fait appel à des amis médecins qui lui donnent les restes de chimiothérapie de leurs patients, donc pas totalement adaptés à ses besoins. Au moins, mes cheveux ne tombent pas, donc je reste digne pour mes clients. Panayotis vit au jour le jour. La crise économique et sa maladie ont détruit tout espoir. Pour moi, le mot « avenir » a été rayé de mon vocabulaire et de celui du peuple grec. On ne croit pas à l'avenir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rêve possible. On ne peut pas penser, rêver ou prévoir pour la semaine prochaine ou le mois prochain. Personne ne sait à quoi s'attendre. Pour tenir le coup, malgré le climat délétère, Panayotis bénéficie d'une aide psychologique. Ici, dans cette association de soutien aux cancéreux, des bénévoles se mobilisent au quotidien. Comment ça va, Anastasia? Ça va, et vous? Installez-vous. C'est depuis le cancer de son mari qu'Anastasia a décidé de soutenir les malades dans leurs démarches et leurs épreuves. Elle ne cache pas sa colère. La crise, elle est européenne. Mais le fait de ne pas trouver ces médicaments, c'est un problème purement grec. Ça n'existe nulle part ailleurs. Alors qui sont les responsables? L'État, l'hôpital, ses dirigeants, les laboratoires pharmaceutiques? En attendant, les malades doivent se battre au quotidien. Ok, disons que M. Christotomou trouve son médicament. Il lui faudra faire un marathon énorme pour en trouver le mois prochain et toutes les semaines. C'est incroyable parce que cet argent a été retenu sur nos salaires et nos cotisations sociales. Ces sommes ont été retenues aussi sur les revenus de M. Christotomou. C'est à moi de chercher les médicaments. Je dois les demander à une autre patiente qui ne les utilise plus ou qui a changé sa thérapie pour qu'elle les donne à quelqu'un d'autre. Tout ça pour qu'il puisse avoir un traitement. C'est déjà dur d'être malade, d'avoir un tel problème. Je dois puiser dans une force psychologique que je n'ai pas pour trouver un médicament qu'il m'est impossible de trouver et obtenir un sursis de quelques mois. C'est intolérable. Une société qui n'a pas de prise en charge médicale ne peut pas être considérée comme civilisée. Cette peur hante aussi les médecins, pris en étau entre les ponctions successives imposées par le gouvernement sur les salaires et les effectifs et l'augmentation du nombre de malades. Ils sont débordés. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bien? Oui, ça va. Ça y est, c'est le grand jour, vous partez. Aujourd'hui ou demain? Oui, demain. Bon rétablissement, je vous salue. Nikos Anemoudouras dirige le service de chirurgie de l'hôpital Elpis. C'est le plus grand hôpital public d'Athènes. C'est aussi
le plus ancien. Regardez ici, l'état des lieux, fissuré. À l'état délabré des lieux, il faut ajouter des manques de personnel. L'hôpital est passé de 150 à 110 médecins, mais le matériel manque aussi. Seringues, compresses, gants, latex. Nikos, lui, travaille 48 heures par semaine. Son salaire mensuel, 2000 euros, après 32 ans d'ancienneté. Je suis fatigué. Si je pouvais partir en retraite maintenant, je le ferais certainement, alors que j'adore mon travail. Nous devons faire face à des manques cruels de matériel, même pour des petites opérations. Les patients sont invités à sortir de l'hôpital 2 ou 3 heures après l'opération, au lieu de rester 1, 2 ou 3 jours sous surveillance. Donner le meilleur de nous-mêmes à nos patients est devenu presque impossible. Nous sommes en état de guerre permanent. Le service des urgences est débordé. Les patients sont de plus en plus nombreux. Pourtant, le paiement forfaitaire de 5 euros va passer ces prochains mois à 25 euros pour toute visite. Mais c'est toujours moins qu'une consultation privée. Alors, grippe ou accident grave, il faut prendre patience. Cette dame attend ici depuis des heures. À plus de 80 ans, elle souffre de problèmes rénaux. Pourquoi n'allez-vous pas dans un cabinet médical ? Ailleurs ? Mais chez le médecin, c'est cher. C'est combien ? C'est au moins 50 euros. Et dans un autre hôpital public, on vous demande d'apporter des couvertures, des draps, de l'alcool à 90, tout, de la bétadine, du savon, tout ce que tu as chez toi. Et en plus, tu dois payer des centaines d'euros pour y rester. Et votre retraite aussi a été réduite ? Oui. De combien ? De 150 euros. Explique-leur de combien ils t'ont amputé. Je touchais 650 euros. On me l'a diminué de 150 euros et maintenant j'en touche 500. Vous vous en sortez ? Oui. Oh non, c'est dur. On pousse les Grecs au suicide. On ne les tue pas, on les pousse au suicide. Et vous voulez que je vous dise ? Je considère les médecins ici comme des héros. Pourquoi ? Parce que si on a coupé 150 euros à ma mère, eux, qui sont considérés comme des gens qui ont réussi, ils ont dû faire encore plus de sacrifices. Comment est-ce qu'ils trouvent le courage d'exercer ? Le directeur de l'hôpital, Todoros Yanaros, se bat pour trouver des solutions pour chaque patient, même ceux qui n'ont plus de sécurité sociale. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Tout ira bien. Je ne demande rien de plus, juste de pouvoir revenir sans assurance. On va organiser cela, on va le faire, ok. À 51 ans, Todoros est devenu un exemple du combat pour la protection des patients et a fait de son hôpital un symbole de solidarité. Et pour cause, 27% de la population active est au chômage en Grèce. Un an après la perte de leur emploi, les chômeurs ne sont plus couverts et doivent s'acquitter de la totalité des frais médicaux. La plupart de mes patients sont assurés. Mais certains ne le sont pas. Cela, nous devons les recevoir de 8h à 14h30. Mais si c'est une urgence, on se fiche de savoir si le patient est assuré ou pas. On doit le traiter, c'est la loi. Mais s'il a besoin d'une opération sérieuse, là, il va devoir faire face à de gros problèmes. Tout le monde ici doit payer 5 euros. Et certains n'ont pas ces 5 euros. Donc ils demandent ce qu'ils peuvent faire. Et pour certains, nous payons à leur place. Les médecins, les infirmières, ou moi, tout le monde. Oui, on peut faire des économies, des coupes. Nous en avons fait plus que nous pouvions, bien plus. Mais maintenant, je pense que les autorités devraient prendre conscience que des vies sont en jeu.
Pour surmonter la crise, Todoros a dû faire preuve d'inventivité et de rigueur dans la gestion de son hôpital. À commencer par l'économie de matériel. Il en achète moins, mais de bonne qualité. Quant aux médicaments, les médecins ne délivrent que le nombre exact de pilules dont chaque patient a besoin, plus la boîte entière. Et Todoros Yanaros est fier d'avoir trouvé d'autres solutions. Nous utilisons plus de 60% de génériques. Ça nous a permis 40% d'économie. Ce matin-là, il reçoit des médicaments d'une ONG internationale basée en Autriche. Tout ça, pas ça. Voilà, ceux-là, ça rentre chez nous. Car même les hôpitaux publics sont obligés de faire appel aux ONG pour répondre aux besoins en médicaments de leurs patients. La pénurie de médicaments est aujourd'hui un fléau en Grèce. La plupart des laboratoires pharmaceutiques internationaux ont quitté le territoire. 300 médicaments sont désormais quasi introuvables, surtout les anticancéreux, et la sécurité sociale peine à rembourser les pharmacies. Konstantinos Lourandos préside l'Union des pharmaciens. Exaspéré, il tire la sonnette d'alarme. C'est un médicament contre l'épilepsie. Le laboratoire m'a dit que dans 3 mois, il n'en fournirait plus. Je n'en ai plus et mes collègues non plus. Je vous le demande, que vont faire les patients épileptiques qui prennent ce médicament? Regardez, tous les collègues m'appellent pour me dire qu'ils ont le même problème de pénurie. Voilà. Moi aujourd'hui, je me suis disputé avec tout le monde à la Sécu. Et là, j'envoie une lettre. Tu peux la voir sur les réseaux sociaux. Où je dis que depuis le mois de septembre, je leur ai envoyé 25 lettres. Pas de réponse. Où en est le remboursement des médicaments aux pharmaciens et celui des taxes? Avant, le gouvernement nous répondait chaque fois. Maintenant, ils nous ont oubliés. Est-ce que c'est le genre de collaboration qu'ils veulent? Maki, c'est quoi ce délire? Où on va là? Où on va? D'accord, Maki, je te laisse. Les pharmaciens n'ont pas été payés depuis des mois. L'État leur doit 1 milliard d'euros. À moi, ils me doivent 100 000 euros. Regardez ces ordonnances datées d'aujourd'hui. Je ne sais pas quand l'État me les remboursera. Faites le calcul. Aujourd'hui, nous sommes en février. Et nous avons été remboursés que d'une petite partie des dettes du mois d'octobre. Donc ces ordonnances-là ne seront remboursées que cet été, pas avant. Et les laboratoires pharmaceutiques nous demandent, eux, de tout payer en cash pour ces médicaments. Accablés de dettes, les pharmacies ferment les unes derrière les autres. Celles qui tiennent encore ne délivrent des médicaments que moyennant finance. Or, avancer les frais et attendre 6 mois au moins pour être remboursé, beaucoup de patients n'en ont plus les moyens. Babis, 52 ans, refuse de se plaindre. Cet ancien marin, veuf aujourd'hui, dépend de ses 4 enfants pour payer les 150 euros de loyer de son petit appartement. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi manger. Mon frigo, mes chaises, j'ai tout donné à ma fille parce qu'elle se mariait. Je n'ai plus rien. Je n'ai que ça là-haut. Des pâtes, des haricots et des lentilles. Mes enfants m'aident. Mes médicaments, par exemple, avant d'aller chez Médecins du Monde, c'était mes enfants qui me les payaient. Et pour la nourriture, c'est la débrouille. Soit je vais manger chez mes enfants, je les aide, soit, la plupart du temps, ils me donnent le reste. Beaucoup. Je ne le montre pas, mais je pleure beaucoup. Je suis sensible. Ça arrive. Babis voudrait pouvoir voguer vers des mers plus calmes. En contemplant depuis son balcon les navires amarrés au port du Pirée, il s'évade. Il veut rester digne, même s'il a dû faire appel à Médecins du Monde pour soigner ses problèmes cardiaques.
L'ONG s'est installée en septembre 2010 dans ce quartier pour répondre aux besoins des familles dépourvues de protection sociale. Beaucoup n'ont plus de revenus et plus d'accès aux soins. 10-6. Votre tension est en baisse. C'est bien. Vous n'êtes pas en hypotension, votre tension est basse. Elle n'atteint pas les 11, mais ne chute pas à 6 ou à 6,5. Ce qui signifie que la thérapie que vous suivez porte ses fruits. Oui, je n'arrête pas. C'est pour ça que je suis ici. Avez-vous un tensiomètre chez vous ? Non, mais si j'arrive à trouver un petit boulot, j'en achèterai un. Prenez l'habitude de passer tous les matins par ici pour mesurer votre tension, parce qu'il se peut qu'on soit obligé d'adapter votre traitement. Babis a un souffle au cœur qu'il attribue à ses préoccupations et à ses angoisses. Il a besoin d'un traitement permanent. Je viens ici pour obtenir mes médicaments et tout ce dont j'ai besoin. Parce que dans 20 jours, je n'aurai plus d'assurance et je viendrai donc ici pour toutes mes consultations. Avant, nos dispensaires s'adressaient plutôt aux problèmes des migrants, le temps qu'ils s'adaptent à la société. Nous avons été surpris parce qu'aujourd'hui, 70% des patients que nous soignons sont grecs. Et leurs problèmes ne sont pas seulement les médicaments qui manquent, c'est aussi des besoins pour manger. Des familles entières attendent notre aide. Cette antenne ne désemplit pas. L'ONG met à disposition des médecins de 10 spécialités différentes tous les jours, ainsi qu'une assistante sociale, des soins à domicile et des médicaments. Mais l'équipe doit faire face à un nouveau phénomène préoccupant. Aujourd'hui, 20% des enfants scolarisés ne sont pas vaccinés. C'est le cas d'Anastasia qui a 4 ans. C'est la B, l'hépatite B que vous n'avez pas faite. Vous avez du retard dans tous vos vaccins. Tu respires fort, 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 plus fort. C'est fini. Je l'ai enlevé. Yes ! Bravo ! Donne-moi 5. Qu'est-ce que tu es impressionnante. On voit ressurgir de vieilles maladies comme la tuberculose. Nous n'avions plus de cas en Grèce. Mais à partir du moment où des groupes entiers d'enfants n'ont pas fait leur vaccin pour des maladies comme la polio ou le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, des maladies dont l'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'elles ne devaient plus exister aujourd'hui, je crains que l'on ne voit bientôt ces maladies se propager. C'est très difficile. Nous sommes sans sécurité sociale depuis 2 ans. Nous avions un commerce depuis des années. Nous vendions des accessoires dans la construction. Et comme la crise économique a gelé la construction, nous avons été obligés de fermer notre entreprise. Et nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins, ni à ceux de nos enfants. La Grèce est un pays du tiers-monde. Elle n'est pas en train de le devenir. Elle l'est déjà. Se soigner gratuitement est un droit qui appartient désormais au passé. Vous mesurez votre tension tous les jours ? Oui, je n'ai pas pris le médicament ce matin parce que j'avais 10 de tension. Je ne sais pas d'où ça vient. Il s'est passé quelque chose ces jours-ci ? Comme quoi ? Quelque chose qui vous a contrarié ? Oui, j'angoisse. Pour quelle raison ? Des raisons familiales. Au revoir. Tous les jours, les patients défilent dans le cabinet du docteur Vichas. Il est cardiologue et reçoit 25 personnes chaque matin depuis 2 ans. Avec la crise, les Grecs n'ont plus les moyens de se rendre dans des cabinets médicaux privés. Ici, la consultation est gratuite. Nous sommes dans un centre de la sécurité sociale. Nombre de personnes arrivent ces derniers temps avec des arythmies cardiaques, des douleurs dans la poitrine ou des problèmes respiratoires. Des symptômes qui ne sont pas directement liés à leur cœur, mais qui sont le résultat de la situation angoissante qu'ils vivent. Par exemple, la dame, qui est venue tout à l'heure, est très angoissée ces derniers temps. On lui a coupé sa retraite, elle a 2 enfants au chômage, elle essaye de survivre elle-même et d'aider ses enfants qui ont une famille.
les retraites ont été amputées à 20 reprises en 3 ans, soit une baisse d'environ 40% au total. Et depuis le début de l'année, même les pensions de moins de 1 000 euros jusqu'alors épargnées ont été réduites de 15%. Quand fin janvier, ils ont été encaissés leur pension et qu'ils ont vu le montant, vous n'avez pas idée du nombre de patients qui sont venus nous voir avec les mêmes symptômes. C'était le résultat de cette baisse des retraites. Je me sens humilié, très humilié par ceux qui nous gouvernent. Parce que ces deux dernières années, la seule chose qui ne les intéresse pas, c'est le peuple grec. Ils s'intéressent aux chiffres et les respectent comme ils respectent les créanciers publics quels qu'ils soient. Et ils ignorent de manière criminelle le peuple grec et surtout les plus vulnérables. Un matin de décembre 2011, l'un de ses patients est arrivé dans son cabinet dans un état critique. Au chômage, il n'avait plus d'assurance, plus de quoi vivre, il ne se soignait plus et attendait que la pathologie s'aggrave. C'était le patient de trop. Yorgos a alors mobilisé ses confrères pour créer un dispensaire, une petite clinique ouverte à tous. Un réseau de 80 médecins bénévoles. Bonjour, comment ça va ? Après leur travail, ils consultent gratuitement les non-assurés et surtout, ils ont lancé une collecte de médicaments pour les redistribuer. On les appelle les Robin des Bois des médecins. Il y a de grands besoins, surtout de médicaments très chers comme les anticancéreux. De nombreux laboratoires pharmaceutiques ont arrêté de fournir la Grèce parce que l'État grec leur doit beaucoup d'argent. Ça, c'est un médicament anticancéreux. Il fait partie de ceux qu'on ne trouve pas facilement. Il est très cher. La boîte coûte 500 euros pour un mois de traitement environ. Nous, nous les avons parce que certaines familles ont perdu leurs proches. Il leur restait une boîte ou une demi-boîte, alors au lieu de les jeter, ils nous la portent pour que cela serve à quelqu'un d'autre. Et c'est notre seul moyen de trouver ce médicament en Grèce. Plus la rigueur ronge la société, plus le taux de chômage augmente, plus l'affluence est importante dans ce centre. Un actif grec sur quatre est sans emploi dans le pays. Résultat, ce mois-ci, la clinique a accueilli plus de 1200 patients. Moi, je viens depuis 3 mois. Je suis diabétique. Je fais des piqûres d'insuline. J'ai été assuré pendant 37 ans, mais comme j'ai dû fermer ma société, je ne perçois pas de retraite. Je n'ai pas d'assurance, ni de médecin, ni de médicaments. Quand un homme travaille toute sa vie, qu'arrivé à son âge, il tombe malade et que l'État ne prend pas en charge ses soins, je pense que c'est tragique. Je ne veux pas crier, mais hurler. S'il n'y avait pas cette aide, le soutien de ce dispensaire, je ne sais pas ce que nous deviendrions. Ils nous ont fait perdre notre dignité et notre âme aussi. Ça, c'est important, l'âme. L'âme ne compte pas pour ces gens. En quelques mois, cette clinique est devenue indispensable aux familles durement touchées par l'austérité. Au-delà de son combat quotidien, Yorgos s'insurge contre la classe politique responsable de cette crise. Et quand aujourd'hui, le FMI reconnaît que la rigueur à forte dose a peut-être été un mauvais choix pour la Grèce, il s'indigne. Je suis médecin. Si je donne un mauvais traitement, que mon patient meure ou que son état empire, et que je dis à ses proches, au fait, je me suis trompé, ils vont me jeter des pierres. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire avec le FMI.
Là, ils disent pardon alors qu'il y a 3000 suicides par an. Des gens qui ont faim, un dispensaire qui explose, des gens qui n'ont plus de quoi se nourrir. Dire qu'on a fait une erreur de chiffre, ça, pour moi, ce n'est pas seulement intolérable, c'est criminel. Organiser cette solidarité est pour Yorgos, comme pour des milliers de Grecs, un devoir, mais aussi une forme de résistance. Saignée à blanc, la population demande aujourd'hui un peu d'attention pour éviter que cette crise ne se termine en tragédie grecque.